Le parking habituellement plein est aujourd'hui presque vide. En cause, ces grilles qui se sont refermées sur le carrefour depuis plusieurs jours. Et face à ce mur, ils sont plusieurs à faire demi-tour, le caddie vide. J'arrive à 10h là et le carrefour est fermé. Donc je ne suis pas très en avance et je suis obligée d'aller voir ailleurs. Voilà. On va aller dans d'autres magasins, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une grève qui tombe en pleine période de Noël, le manque à gagner est colossal pour les commerçants. Il y a moins de monde, c'est une influence qui est moindre, puisque les personnes viennent, c'est les fêtes de Noël, il faut faire les achats de Noël, les courses de Noël, qui vont avec les achats. Donc du coup, oui, on voit vraiment l'effet que ce soit fermé. Je pense que tout le monde souffre du fait que le centre soit fermé, oui. Et aucune enseigne n'est épargnée. On a moins de passages, les gens ils passent avec leur chariot et quand ils voient que l'hyper est fermé, ils partent tout de suite. Donc de temps en temps ils viennent regarder, de temps en temps ils viennent, mais sinon c'est direct. Même le parking il est vide, donc les gens savent maintenant que c'est fermé, ils vont directement à Destreland. Notre chiffre d'affaires est pour le moment diminué, a beaucoup diminué parce qu'on n'a pas beaucoup de passages du tout. Le conflit entre les salariés et la direction est parti pour durer. En attendant, le carrefour reste fermé.